Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Skull and Bones. Nous sommes sur une suite directe. Donc la dernière fois nous avons eu notre premier bateau et on avait coulé nos premiers bateaux. Et là, on continue dans la joie. Utilisez les talents et les secrets de et la bonne humeur. Et faites grandir votre légende. Prendre la mer. On refait une mission pour le forgeron. Ce coup-ci, il nous dit qu'il faut aborder les bateaux. Ce coup-ci, c'est à droite. Sinon, les marchandises. Enfin, les marchandises. Il a dit faites l'abordage, sinon ça va couler au fond de l'océan. Le matos qu'il veut. Donc, est-ce que si tu coules un bateau, tu récupères que en gros la cargaison, donc tout ce qui flotte, c'est-à-dire les voiles, le bois, les caisses de bouffe et tout ça? Et si tu veux récupérer du loot qui vaut le coup, donc c'est-à-dire des canons, des pièces pour fabriquer des canons et tout ça, il faut faire de l'abordage. On va découvrir ça. On verra bien. Peut-être que c'est bullshit, peut-être que c'est ça. Je pense que pour ça, faudra comment on appelle ça. Ah, faudra essayer. Je peux pas zoomer plus, à moins que non, ça zoome pas. Hop, un petit coup de jus. Oh, la mer elle est... La mer elle est démontée. Ah! On aurait bien zioté mais apparemment on est encore trop loin. T'es sûr? Ah ouais. Ouais bah je veux bien mais... Il est temps de passer à l'abordage. Ah, on les tient. Rouage, machin, ok. Pas trop le temps. C'est pas méchant ça. Il est là le méchant. Ah, c'est lui qui l'a abordé. Ok.
Alors, bateau est explosé, mais donc des rouages, des lingots, machin, on va voir. Ça passe, ça passe pas. Voilà. Et donc, ouais, je pense que t'as un peu moins de butin. Ce serait logique, ce serait logique. Franchement, ce serait pas déconnant. Hein. Je pense que ce serait ça. Après. Qu'est-ce qui est où? J'allais dire un mot anglais, mais je connais pas. Des fois, j'utilise des mots sans savoir ce que ça fait. Donc, je me dis. Est-ce que ça vaut le coup de le défoncer? Merde. Non. Reviens. Récupère. Freine, 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 freine. C'est bon, j'ai le droit de prendre du jute. Satan, il est où? Ah, c'est pas ça. On avait fini, nous? Non, c'est pas ça. Arrête. Start, y'a rien. Faudrait que je vire des trucs, c'est quoi ça? Arme à feu. Tabac. Rouage, ça c'est pour la quête. Peinture. Donc il y a des trucs à vendre. Voile déchiré. Bois, machin, ça, ça doit servir. Poisson grillé, requin, viande, j'aimerais poisson, poisson, mort, boulet de canon, kit de réparation, noix de coco. Peut-être même davantage. De l'acacia, des planches d'acacia, du jus. Je sais pas quoi jeter, moi. Ils sont marrants. Parce que, en fait, vous voyez,
Dans le facultatif, il faut acquérir le couleur vie. Couleuvrine. Je sais pas c'est quoi. Et en fait, bah... Merde, j'ai refait start. Je vais virer. Il est où? Ange acacia. Lingot de fonte. Jute. Hop, voilà. Apparemment ça c'est pour réparer. Et on va aller chercher le coup. Le... Couleuvrine. Est-ce qu'il l'a lui? Ah bah il l'a. Ah voilà. Et on a chopé. Ah le coup. Couleuvrine, c'est un canon. D'accord. Et donc du coup là on peut rentrer. Les terres sont là-bas. Donc faut aller donner les rouages. Ok. Mais non, je voulais pas ralentir. Et en fait, donc c'est ça, ils nous ont dit dans la mission, c'est facultatif, mais vous pouvez avoir le cool rive, qui est un... Un canon, quoi, si je dis pas de conneries. Donc à voir, est-ce que les... Bon, je pense que le cool rive est peut-être mieux que le canon de base, mais est-ce que... À ce moment-là... Attendez, on avait fait 3 canons, 1, 2 et 3. À ce moment-là, ouais, on le mettra peut-être en... Comment on dit, en tête de proue. En poupe. Proue. Proue. On mettra devant quoi.
Et je suis encore trop lourd, hein, donc je peux pas aller plus vite. Ça, c'est la vie sur le bateau. On était trois. Et maintenant, on est plus. Voilà, elle est abîmée. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Votre renommée augmente. Vous devez avoir des... Ce n'est pas en creusant des fossés qu'on va faire un pêche. Tu as raison. Comment va la vie, pirate? Je croyais que vous auriez peur, que vous abandonneriez. Mais vous m'avez donné tort. Vous avez massacré les navires de guerre de la compagnie et éventré leurs cales, à la manière d'un vrai pirate. Kit de restauration. Demi-canon. Et on a eu... un canon et... oui, peut-être le demi-canon. Prêt à tuer pour inspirer le respect ou intimider ses rivaux, la tenue d'un pirate en dit long sur sa réputation. Revêtez un nouvel habit et marquez l'essor de votre statut au sein de la communauté des pirates. Ouais. Vous avez étrillé la compagnie, gagné en infamie et acquis le respect des autres pirates. Mais vous ne ressemblez à rien. Faut mettre des... allez voir Florentine à l'atelier. Elle vous donnera belle apparence. Ah. Florentine. C'est la raffinerie. Ça, c'est la cuisine. Florentine, Florentine, Florentine par là-bas. C'est pas elle. Tu as déjà navigué dans les mers du Nord, moi ? Et là. C'est elle, Florentine ? Vous venez refaire votre garde-robe, mon cœur. On voit au premier coup d'œil que vous sortez de l'ordinaire. Venez. Florentine d'Alesso mettra en valeur votre prometteuse renommée de pirate. Renommée, renommée... où es-tu renommée?
Parler, non, personnalisé, ok. Voici 500 pièces d'or en cadeau pour vous remettre le pied à l'étrier. Grâce à l'or, vous pouvez. C'est gentil, ça, il nous donne des sous. Changer d'apparence, acheter et s'équiper des objets. Attendez, changer d'apparence. Qu'est-ce que c'est que changer d'apparence? Ok. C'est le truc de on peut se refaire la gueule. Ouais. La quête, c'est quoi? Acheter décoration de capitaine 2. Ouais, en gros, on doit acheter deux trucs. Je vais acheter un fut et des godasses. What? Équipement. À moins qu'ils me disent ce que je dois acheter. De la peau de crocodile pourrait faire l'affaire. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, c'est différents ensembles en fait. T'achètes tout, t'achètes les 8. Tu vois le. D'accord. C'est pas. Hein? Ça que je veux. Équiper. Je peux pas l'acheter? Ça c'est 800. C'est ça que je veux. Ah si, ça y est. Les godasses. Mais non, c'est... Si vous saviez tout ce qu'on raconte sur Scurlock au bordel. Je suis à 0 sur 2. Pourquoi? J'ai rien acheté encore. Attendez, on va essayer ça. Acheter et s'équiper. D'accord.
S'en fout. S'en fout. Ça, on s'en fout. Voilà. Au revoir, capitaine. Au revoir. J'investirai plus tard pour de beaux vêtements. Il faudra que je prenne le temps, je regarde tous les manteaux, tous les pantalons, les bottes, et que je me dise, voilà, je veux ça... Je veux l'habiller comme ça, machin. Je pense que moi, le truc, c'est que je vais l'habiller une fois en ce que je veux et il va garder ses vêtements-là à vie, donc... Je peux vous fabriquer une belle arme, mais n'allez pas vous dire. Vous avez visité l'atelier, mais la tenue ne fait pas tout pour un pirate. Augmentez votre infamie pour vous hisser au-dessus des autres. Vous aurez accès à des missions plus risquées et rapportant davantage. Si certaines sont trop difficiles, je vous forgerai de quoi en triompher. Continuez comme ça, et même les Kingpins comme Skurlock vous remarqueront. Faites comme la mer, pas de vagues. Et là, on doit rencontrer l'autre. Ok. Quoi ? En troquant un plan que vous possédez, c'est un fichier de matériaux. Ok, il faut fabriquer l'objet. Nanana. Avec l'emplacement de tous les matériaux. Nanana. Ok. Donc, apparemment, on peut avoir des plans. Appuyez sur ça de la carte. Le journal de bord. Affiche tous les plans actuels traqués, les plans obtenus, automatiquement ajoutés ici. Pour ajouter ici les plans possédés, puis le codex. Ok, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. Allez! On doit aller. Où qu'on doit aller? C'est là-bas. J'en ai plus qu'assez des navires de la traite. C'est le genre de journée où ma mère me dit... Les nains, regardez. Hé, fais attention à ce que tu dis là-dedans. Ok. Grâce à Capitaine Bonharien ici présent, j'ai ces chiens de français aux trousses désormais. Comment débarrasse ? J'ai un besoin urgent d'un nouveau capitaine. Il paraît que tu as maintenant autre chose que ton baquet percé, et on parle de tes exploits. Tu as vu mes navires au port ? Sais-tu où ils s'en vont ? La cale remplie d'épices, d'ambre gris et autres merveilles. À New York, ma petite crevette. Wow. Et en échange, cette face d'éponge de Chuling me donne tout l'argent, les vivres et les armes qu'il me faut. Tant que ce tas de viande reçoit ses marchandises, j'ai les coudées franches sur cette île. Je contrôle les flux d'argent et ne fais de courbettes à personne.
La richesse rapportera liberté et pouvoir. La richesse ne fait qu'attiser les convoitises. Par nature, un pirate est une cible. Nous sommes les ennemis des nations. Mais si le pirate a les poches pleines, alors ceux qui veulent sa mort préfèrent de loin s'agenouiller et lui lécher les bottes. Cette chance te tente, crevette ? Saisis-la. Mais ne me donne pas une raison de tâcher un autre tapis. Leur prix ne cesse d'augmenter. Maintenant, dépêche-toi de partir en mission. Cela soupçonne ses ennemis de conspirer pour ruiner ses affaires. Fournissait des caches d'armes en contrebande au peuple de la mer contre des informations. Je veux que tu ailles apporter des armes à mes alliés, le peuple de la mer. Ils ont des informations, rapporte-les-moi. Le peuple de la mer et moi avons un accord. Si je fournis les armes dont il a besoin, je dirige librement ce port. Il est depuis longtemps en guerre avec le clan de Pharah. Alors méfie-toi. Des navires de Pharah chercheront à t'avoir. On ne peut aider le peuple de la mer à gagner les guerres. Vous exploitez le peuple de la mer. Je sais pas quoi dire, si je lui dis ça, il va mettre une balle. On peut aider le peuple de la mer à gagner la guerre. Peu m'importe qui gagne. Chaque jour, ces ventes d'armes me remplissent les poches. Pourquoi mourir pour son prochain lorsqu'on peut le saigner à blanc? Oui, d'accord. Des membres du peuple de la mer vendent des biens. D'autres, des informations. Tant que la guerre continuera, cet accord tiendra. Alors, apporte à ces gens assez d'armes pour se battre, mais pas pour l'emporter. Nous tenons une belle vache à lait, crevette. Laissons-la brouter. D'accord. Oui. Donc lui, c'est clairement une merde, quoi. Le mec, il a... Ah, le destin t'attend. D'un côté, il a raison. Il bouffe sur les deux tableaux, donc forcément, il est gagnant. Mais... C'est le genre de journée où ma mère me manque. Oui, bah après on débute dans le métier, donc on peut pas... On peut pas... comment dire? Bah on peut pas dire. Alors, donc qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Livrer les caches d'armes contre des informations. Fournir cache d'armes 3. Fonderie de machin, nanana, nanana, ok. Donc, on va aller là-bas. Attends, c'est où? Voilà. Ah d'accord, on doit aller voir les trois là. Bon, on est parti, on va aller faire de la... Je sais pas, des livraisons, du ramassage. Tant que le peuple de la mer reste en guerre, Skurlock gagne de l'argent. Les alliés de Skurlock ne sont pas légion ces temps-ci. Donnez ces armes au peuple de la mer et ils chanteront vos louanges. Quoi de l'action ? Ils emportent ce qui nous appartient ! Oui, j'ai oublié une chose importante.
Ouais. Ramenez les voiles, plus de prise au vent. Je voudrais pas ça. Arrête d'appuyer sur start. Ouais, je voudrais. Je voudrais rentrer à Sainte-Anne. Comment on fait? Il faut que je m'éloigne et je reviens. Voile, ils prennent rien du tout, le bateau est trop chargé. Ça marche pas. Donc ça c'est bien fait aussi. Ah salut, bah, c'est le début, donc je trouve, pour l'instant je le trouve bien. Et bah, le truc c'est que, ouais, c'est ce que j'allais dire, il faut bien gérer son, comment on appelle ça, son stock. Enfin c'est sa marchandise, parce que là c'est ma vitesse maximum. Je peux pas aller plus vite parce que je suis ras la gueule et j'ai oublié de me vider. Et apparemment, je peux. Je peux pas rentrer. Ah, faut que je sorte pour plus loin pour revenir. Ça, c'est relou ça. Attends. Tac. Non, c'est pas ça. Pas un truc pour rentrer. Bon, bref. Donc. Allez! Allez! Remets les voiles! Voilà. Bon, on va s'écarter, on va revenir. Hein. Et donc, voilà, j'ai trop de poids dans mon bateau. Mais sinon, pour l'instant, le jeu est bien. Oui! Mais bon. Quand tu vois que le bateau il se déplace à deux nœuds. Si je me fais attaquer en pleine mer et que je suis ras la gueule, ouais je vais vite décéder. Le truc c'est que pour l'instant, comme c'est le début, je ne sais pas ce que je peux garder et ce que je peux vendre en fait. Donc je garde tout. Là, je vais déposer tout ce qui est matériaux de construction. Je vais peut-être même tout déposer, ouais. À part les boulets de canon, parce que vu que c'est mes munitions. Et puis. Il faut que je vois, là, je crois que j'ai trouvé un nouveau canon. Qu'est-ce donc, que je vois sur votre navire? Un singe? C'est un lémurien, espèce de gourde. Vous lui avez appris des tours, peut-être? D'accord, ouais, donc c'est ce que je vais faire. Ah bon, l'entrepôt, il est là. Bonjour. Vous faites partie des rescapés du naufrage? Eh bien, votre situation a dû s'améliorer si vous venez louer de l'espace de stockage. Vous avez raison, on n'est jamais assez organisé. Alors, donc ça c'est la quête.
Donc. Il fait très chaud. Kit de restauration. On va garder. Rome. Arme à feu explosive. Tabac. Rubis. Peinture. Rouage. Jute. Lingot. Vous lisez beaucoup ? Je pourrais vous prêter des livres. Type de réparation, on garde. Ah non, boulet de canon, faut garder. Voilà. Revenez, si vous voulez stocker. Là, on va regarder vite fait. Alors, Captain, on en bat. Gérer le navire. Arme. Mur en chargement, mais nul en portée. Ah, mais le couvline, on l'avait déjà. D'accord, c'est ceux qu'on avait acheté. Ok. Ok, ok. Donc, ce. Prendre la mer. D'accord, d'accord, d'accord. Donc le couvline, c'est les canons qu'on avait. Bon, je l'ai gardé. Servira pour plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis où? Je suis là. Vous voyez ce que je vois? Et la mission est là-bas. Mais attends, Un incendie, ah oui, c'est là-bas. Ça pète dans tous les sens, disons.
J'avais oublié de mettre le boost. Allez. Est-ce que je peux passer par là-bas? Ok. Par contre, oui, c'est plaisant. Je retrouve les sensations de. De Black Flag. Est-ce que c'est ici qu'on doit aller chercher? Ouais, c'est là. Bonjour. Quoi? Merci, ça. Capitaine. Ceux qui peuvent le comprendre. Chasser des animaux sauvages. Présentez votre feu. Ouais, mais. Adieu, Capitaine. Prêt à retourner en mer, Capitaine. Pour l'instant, je fais la mission de l'autre. Prendre la mer. Et puis. On verra bien. On va passer par derrière. Tiens, j'ai une question à te poser. Ah, merci pour le. Pour le follow. T'es déjà parti un peu plus loin dans l'histoire, je veux dire. Parce qu'en fait, je voulais savoir si on nous. Comment dire. Si là, je suis déjà lâché ou si je suis encore dans le didacticiel, en fait. Ou alors si le didacticiel c'était juste avec le petit bateau. D'accord, donc ok. Vu que je faisais une découverte en gros jusqu'à la fin du didacticiel, je pense que ouais. Après cette vidéo là, je couperai pour YouTube. Ok, d'accord, ouais, donc c'était vachement court, didacticiel. Ouais, donc apparemment c'est une fois que t'as le premier bateau, enfin dès que tu peux construire ce bateau là, c'est la fin du didacticiel. Ok.
Ok, ok, donc ouais, c'était court le didacticiel. Peu dommage. Je pense qu'ils auraient peut-être pu nous apprendre. Je sais pas, un peu plus de mécanique ou. Bien que, ouais, je... Pardon. Si je me souviens bien. C'est un peu pareil pour. Dans The Division, il n'y avait pas vraiment de didacticiel. Tu faisais un petit bout au début, et puis après, dès que tu étais arrivé à New York, hop, c'était. Ou alors à Washington, c'est pour le 2, c'était pareil aussi. Je me rappelle bien, ouais, tu fais un petit bout et. Ah oui, le didacticiel, c'était le. Petite guerre, et puis après, t'es arrivé à Washington et tu reprenais la Maison Blanche et c'était fini. Ouais. Ah, mais je suis un peu con en fait. Je pense que je vais peut-être pas pouvoir passer dans les. Pour info, pas obligé. De faire quête principale pour up, rang et puissance 9. Oui, ça, je m'en suis. Oui, bah oui, puisque. Tu prends n'importe quête, n'importe quelle quête et puis t'es parti. Mais bon, je pensais que le. La quête principale t'amenait plus vers ton prochain navire. En disant c'est ce moment-là que tu fais ton prochain navire, ton. D'accord, ouais, c'est ce que j'avais entendu dire que le comment on appelle ça. Ah, que le scénario, c'était pas vraiment un scénario, quoi. Qui est un peu dommage, mais bon. L'encre qui me couvre la peau, j'en révélerai peut-être un jour le secret. D'accord, ouais. Ouais. Ouais, non, mais j'aurais bien vu, tu sais, genre le mec pour. Merde, je voulais pas faire ça. Oui, tout prendre. Comment on appelle ça? Ouais, le mec de la quête principale, là. J'aurais bien vu, genre, il nous donne des missions, machin, patin-couffin, genre comme là. Et à la fin, il veut nous. Il veut nous baiser ou un truc et puis bah on le défonce en mer et puis voilà. Et une fois que on l'a tué en tant que méchant, là on avait fini la entre guillemets l'histoire principale et que c'était parti quoi. Ok. Et là, feu le deuxième. Enfin, le dernier. À ça. Comment on fait le. Tiens, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Je joue à la manette. C'est quoi le bouton pour faire la roulette? Peut-être que tu sais. Non, c'est pas ça.
Tu sais la roue d'interaction X. Ah, merci. Ouais, bah j'ai pas fait exprès, désolé. Non, mais les gars. Bon bah voilà, il y avait l'autre qui était derrière. Faudrait que je me souvienne, c'est X. C'est parce que... Je voulais qu'il chante en fait. RT, ouais, c'est bien ça. Jusqu'ici, j'ai pu avoir le butin de... Des bateaux? Oh ouais, là c'est... Non, c'est grave quand même. Un peu abusé, je trouve. Bonjour, pirate. Ce sera utile. Veluma. Voilà. Tant que le peuple de la mer reste en guerre, Skurlock gagne de l'argent. On en a fini ? Tiens, aussi petite question, parce que là je viens de le faire et puis comme ça, ça pour la VOD c'est on a c'est tous cool. Les rapports, Captain. Moyen de gagner la confiance. Quand t'es dans un port et que tu fais réparer le bateau avant de repartir, ça utilise quoi comme consommable? Ça utilise un de mes. En gros, une de mes trousses à outils ou. Enfin, de kit de répa ou. Que de l'argent? Ok. Ah, je fasse gaffe la prochaine fois. Pour voir combien ça prend exactement. Ah, ouais, c'est des... D'accord. Pas beaucoup. Ouais. Allez. Vous ne manquez pas de courage. On va aller rendre la quête à... Autant s'amuser quand même. Je parie sur les batailles, sans faute. Tu as vu les ruines de la Nitra? Cet endroit a rapporté gros. Mais je peux lui parler au lieu de donner la quête, bâton. Cherches-tu ce qu'il y avait sur le Shadow? Inutile. C'est à présent bien plus loin d'ici que le lâche qui l'a volé.
On parle de Uriko Freeman comme d'un héros, un combattant de la liberté. Ce n'était qu'un charlatan. Il nous a vendu un mensonge. Ce serpent n'a jamais voulu partager le trésor. Code des pirates, mes fesses. Ulrich Freeman agit par intérêt. Freeman est une légende. Je sais pas, je connais pas. Et vous avez pris part à l'affaire de... Ma mission lors de ce vol était d'approvisionner l'Anitra en armes et en vivres. Une fois mon rôle rempli, Freeman m'a écarté. Le bon John Skerlock n'a pas mis la main sur une miette de ce trésor. Mais un jour, le repère de Sainte-Anne sera bien plus grand que l'Anitra. Et c'est mon nom à moi qui sera sur toutes les lèvres. Tenez, je vous rends vos trucs. Ce que tu as rapporté mentionne un accord commercial entre les Français et Pharah. Des agents de la compagnie s'assurent les grâces de Pharah par des armes. Mais pourquoi... Pourquoi ceux de Pharah s'abaisseraient-ils à devenir les pantins des Français? Il doit y avoir autre chose en jeu. Cette alliance est une grave menace. Il faut lui tordre le cou. Tu as l'esprit diablement mal tourné. Je pensais tout comme toi. Ah, merde. Mais si le clan fricote déjà avec la compagnie, il va falloir déclencher une querelle d'amoureux. Mes deux ennemis comptent Fleurette, et les marchands du peuple de la mer sont au courant avant moi. Mes agents seraient-ils devenus aveugles et sourds? La compagnie frétille dans l'ombre, tandis que les rayons du soleil nous éblouissent. Tu as fait du bon travail. Quand j'aurai fini d'extraire à coups de talon les informations, je te confierai une autre mission. Alors... Continuer, ouais, une présence importante de la compagnie. Voler des marchandises pour aider. Combler son manque à gagner, ouais. La compagnie royale est présente dans les îles rouges. Leurs navires marchands transportent épices, parfums et objets de luxe volés dans l'océan Indien. Je veux que tu voles à ton tour ces prétentieux. Ils nous méprisent. Ils nous dénigrent. Va donc les piller et sois plus terrible que la grande peste noire. Les exigences de Tuling sont un fardeau que le commerce seul ne peut porter. La compagnie est une belle cible, lente à réagir et haïe de tous. Alors, agissons, pirates, et allons-nous-en arracher la cuillère d'argent de la bouche de tous ses membres. Au travail, crevette! Continue sur cette lancée. Ouais. Donc, on va s'arrêter là pour la VOD. Cet épisode était plus long qu'avant, mais c'est parce que je cherchais la fin du didacticiel. Et puis en fait, finalement, d'après des informations que j'ai eues, on y est déjà, on est déjà fini. Donc,
Fini pour cette découverte. En 3 vidéos, c'est bien, je pense. On a vu l'essentiel, hein, tuer des bateaux, et puis voilà. Et donc, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour de nouvelles aventures, et prenez soin de vous, et à ciao les amis.